Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que dans le fond, aujourd'hui comme vidéo, c'est quand même une vidéo assez spéciale pour trois choses. La première, c'est que en fait, ça fait à peu près trois semaines et que écoute, j'ai pas fait de vidéo sur YouTube et j'en suis vraiment désolée pour vrai. Ok, ça c'est une chose spéciale, Sarah Maud. Bref, cette chose-là, c'est comme pas spécial, c'est juste que j'avais le goût de vous dire que je me sentais mal parce que ça faisait trois semaines que j'avais pas filmé de vidéo, fait que, écoute, on va juste pas le compter dans le truc spécial, mais bon. La deuxième chose, pourquoi c'est spécial, c'est que en fait, il y a quelques jours de ça, le 30 novembre exactement, ça l'a fait un an que je fais des vidéos sur YouTube, puis pour vrai, je capote un petit peu assez pas mal beaucoup. En fait, ça fait plus un an exactement parce qu'en ce moment, on est le 5 décembre. Fait que ça fait un petit peu quelques jours que, en fait, mon 30 novembre est passé. Puis ben, la troisième, c'est que, écoute, moi, je tripe bien gros sur Noël. Puis ben, j'avais le goût de faire une vidéo spéciale Noël parce que j'avais pas fait de vidéo spéciale Saint-Valentin, Halloween, puis toutes ces fêtes-là. Mais je trouve que Noël, c'est comme ma fête préférée. J'étais genre, oh ben, Sarah Maud, écoute, ce serait une pas pire bonne idée que tu fasses ton ugly sweater par toi-même. Fait que je me suis dit que pour mon premier party de Noël, ça pourrait être pas pire intéressant que je fasse un ugly sweater. Puis ben bon, écoute, j'avais décidé de centrer mon niveau d'attention dans cette vidéo-là au lieu d'étudier pour mon examen de demain, de fin d'année, en français, un texte qui compte pour 35% de mon année. Et ben c'est ça, écoute, j'ai pas commencé à me préparer. Bien, vous placez à l'avant et vous prenez l'arrivée d'Emily. Fait que dans le fond, le ugly sweater que je voulais reproduire aujourd'hui, c'est ça. Mais finalement, écoute, ça s'est avéré qu'au Dollarama, il n'y avait plus rien, à part la petite couronne. Fait que j'ai décidé de m'inspirer de ça, puis de faire mon propre ugly sweater. Fait que finalement, c'est pas un DIY, je recopie un ugly sweater, c'est un DIY, je le crée moi-même finalement. Avant de commencer, ben, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour avoir plus de contenu comme ça, à activer la cloche de notification, puis ça, dans le fond, tu vas juste pas manquer aucune de mes vidéos, à faire un thumbs up, puis à me dire dans les commentaires, toi, est-ce que tu vas te faire un ugly sweater? Si oui, envoie-moi une photo sur Instagram, puis dis-moi le nom dans les commentaires juste ici. Et j'avoue que la question est pas mal longue, fait que, écoute, fais ton mieux. Sans plus attendre, on va passer au petit segment de chez Dollarama où il est déjà passé, mais en tout cas, bref, on va juste passer la vidéo, genre maintenant. Bon, ok, on va essayer d'installer la patente. Ow! Je ne pince. Éventuellement, on va l'avoir. Bonjour. Fait que, dans le fond, en ce moment, je marche dans un champ. En fait, c'est parce qu'on est comme dans le centre d'achat où que j'habite. Puis, ben c'est ça, ok? J'ai pas été intelligente, j'ai jamais pris le bus que j'ai pris en ce moment. Puis, je dis un peu de la merde en ce moment. Parce que je sais pas quoi dire, puis j'essaie de me concentrer, de pas échapper mon sel. Que les gens me jugent pas, mais en ce moment je suis dans un champ, fait que tout va bien. Bref, je m'en vais chez Dollarama parce que je vous l'ai pas dit, mais il faut que j'aille acheter les fournitures. Ben c'est ça, faut que j'aille acheter les fournitures de Noël pour faire le pull parce que tu sais, ben je veux bien être créatif et tout. Mais il me faut des affaires.
dans le fond, aujourd'hui, c'est comme une autre journée totalement, en fait. Parce que, petite histoire courte, dans le fond, il y a des rénaux chez nous, ça doit faire à peu près 10 mois. Puis ben, ces rénaux-là, écoute, ils font pas mal du bruit. Puis ben, ça fait à peu près 2 semaines que j'essayais de filmer ce segment-là. Et écoute, les rénovations, ils voulaient pas décoller. Fait que c'est ça. Fait que écoute, on s'arrange avec ce qu'on peut. Et dans le fond, j'ai un beau petit sweater de chez Tic Géant. Puis ben, juste ici, je vais couper le petit gogosse. Et voilà. Le sweater m'a coûté 7$. On va essayer de transformer un ugly sweater, en fait, à la base, qui est très neutre. Puis on va essayer de le rendre nice. On va venir étendre le petit gogosse. Fait que là, on va venir étendre le sweater comme ça, pas obligé de passer le fer à repasser. Écoute, on va juste prendre nos mains et on va faire ça comme ça. Ça va faire la job. Pis c'est ça. Fait que là, un coup qui est lousse comme ça, ben on va venir faire la même chose mais avec les manches. Il n'y a aucun rapport là-dedans, mais bon, je vais vous le faire. Fait que comme sur la petite photo, ben le ugly sweater, il y avait un cette affaire-là. Mais avant, c'est parce que je viens de me rendre compte qu'il y a une étiquette. Ce serait bon qu'on l'enlève, à moins que tu veux le mettre dans ta déco. Personnellement, non. Ça, on peut l'enlever. Merci. En fait, on en est essayé par nos peu de compétences en mathématiques de le placer droit, puis au centre. Tu sais, pour pas que le logo soit trop bas dans le bédaine de ma tante, trop haut dans les seins, juste là. On va le placer ici. Ça devrait être pas pire. On va venir faire des petits trous sur le chandail. Puis là, on va essayer de venir trouver un espace sur le côté qui va venir vraiment cacher cette cocosse-là. Puis là, on va venir faire la même chose, mais coller. Puis comme ça, on va essayer que ça paraisse pas. Fait qu'on va venir centrer ça ici. On va venir faire le trou là. Là, à peu près. Là. Non, faudrait pas que je l'enlève. Merci. Bon, après 3000 ans, on passe ça dans le trou du chandail. Ici. Et voilà, mon ami. Fait que là, on va avoir un petit gogosse ici. Puis là, on va venir replacer le tout. On va venir passer la gogosse dans le trou. En tout cas, je suis pas la queen du DIY comme Ellie Duquette. Écoute, Ellie Duquette, c'est comme Ricardo, ça se battra jamais. Mais on essaie fort, on essaie. C'est ça le but, hein? C'est ça le but. Puis là, il va y avoir une espèce de grosse retaille de mort. Là, tu prends cette affaire-là, qui s'appelle des ciseaux. Puis tu vas venir couper le plus proche possible pour que, ben, c'est ça. Écoute, donc on voit plus cette gogosse, ok? C'est ça là. Fait que là, tu coupes. Ben, en tout cas, t'essayes. T'essayes fort. Elle est partie, la mauvaise. C'est ça pour le premier côté, puis on va faire ça pour les 3 autres côtés. Fait que je vous retrouve, mais que j'ai fini. Bon! Fait que là, désormais, c'est le dernier petit cocos. La première étape est terminée. Fait que dans le fond, sur le sweater que je me suis inspirée, il y avait comme des petites boules de Noël sur le côté. Donc, j'ai une petite boule ici, puis que je pense que je vais en mettre un petit peu partout sur la couronne, écoute. Je sais pas si je devrais continuer à utiliser mes bons vieux amis fils de plastique ou si je devrais utiliser mon bon vieux chum de primaire, la colle chaude. On verra. Et on va venir coller ça ici. Puis faire une pression. Comme dégager une pression comme ça, ben tu vas être sûr que... Oh! Oh my god, il y a de la colle chaude qui tombe sur mon chandail. Non, il y a de la colle chaude. Ça partait si bien, mon projet. La prochaine étape, c'est de venir mettre les beaux petits lutins. Parce que dans le fond, je n'avais pas trouvé de règle. Je me suis dit que les lutins, ils allaient s'asseoir sur la couronne. Et voilà. Un premier de fait. Puis voilà. Et voilà. Oh my god, je suis content! Fait que on verra ce que ça donne à la fin, pis pour être... Je suis tellement content! Oh my god! Je suis rendu bonne comme Elisiquette. Sérieux, Elisiquette là, un jour si tu m'invites sur ta chaîne, on pourrait faire un ugly sweater. Oh my god, que ça serait malade! Oh my god! Je vais taguer Elisiquette dans les commentaires. Pour elle, ça serait
débile, malade mental de faire un ugly sweater avec Ellie Duquette. Ok, je rêve un peu trop, la fille elle rêve un peu trop. Mais oh my god, ça serait malade! Bon, ok, j'ai comme eu une bulle au cerveau. Mais pour vrai, je le pense vraiment, là, ça serait débile. Mais bon, ok, là, soudainement, je suis comme retournée au DIY après avoir parlé de Ellie Duquette. Tu vois pourquoi? Là, ça a comme fait pouf, une bulle qui a passé. Fait qu'on repasse au DIY, genre là. Bon! Tellement contente, oh my god! Fait que, je vais vous montrer le résultat final. Fait que là, la prochaine étape, je pense que c'est ça qui me fait le plus peur, c'est de l'essayer. Ouais. Sérieux? Je capote! Oh mon dieu, je me peux plus! Oh, c'est malade! Là, il y a plein de petites neiges qui tombent, là, mais je m'en fous complètement. Oh my god, tu comprends? Oh mon dieu! Bon, ben c'est pas mal ça qui va conclure la vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Si ça vous tente d'avoir d'autres épisodes de Je fais un ugly sweater, dites-moi le nom dans les commentaires, ça va me faire plaisir de le faire pour eux. J'ai capoté faire ça, c'était malade. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Ben nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Salut! Là, c'est malade pour vrai, je capote sur ce sweater-là.